Triomphale. Ça n'arrive pas tout le temps, donc permettez que l'on puisse profiter de cette occasion-là publique. Merci de faire encore plus de bruit. Alors, vous voulez... Frankie, je viens d'abord, attends d'abord. Vous voulez du bruit? Du bruit conscient, vous en aurez ici, avec nous, dans la télé s'amuse. Frankie, n'est-ce pas? Alors, fais-moi quelque chose, je vais voir. Ce n'est qu'un avant-goût. Question pour nous de vous mettre donc de l'eau à la bouche. On va marquer notre petite virgule et on revient pour l'instant de pure folie. Allez, voici le générique pour vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. On tous sur le plateau. Merci d'applaudir public. Autre samedi pour pouvoir donc profiter comme on a pour habitude de le faire donc tous les week-ends ici dans la télé s'amuse sur BF1. Asmao, ça va? Ouais, je vais super bien, je vais super 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 bien. Je sens qu'aujourd'hui l'émission sera de dingue, ouais. L'inspiration est là. Sans ouais. Saturance. On se pose la question. Francky, on dit quoi?
Ouais, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles. Je... Non, il n'y a pas de nouvelles. Mais ça va. Kapala se porte bien. Ça va. Le Burkina va bien. Ça marche. En tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça sera du show à outrance. On va jouer. On va donc célébrer la vie, ouais. On va dire comme ça. On va rigoler. On va tout de suite maintenant, vous le savez, en toutes choses, en toutes circonstances, on se doit de quand même lever les yeux vers le ciel et puis d'être reconnaissant, voilà, au suprême. N'est-ce pas, Asmaou? Ouais, effectivement. Voilà, on se doit donc de lui traduire toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Et aussi, les Saintes Écritures disent que chanter, c'est prier deux fois. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, on va confier ce moment-là. Évangélisation sur nous maintenant. Ouais, je vais attends que je prenne ma position. Inspire-toi. Alors, on va donc ensemble. Ne me déconcentre pas, vas-y. Voilà. Quand je prends mon air le plus sérieux... Non, je te soutiens, vas-y. Ne me déconcentre pas. D'accord. Voilà. C'est un honneur, c'est un immense plaisir pour nous de l'avoir en notre compagnie en ce samedi. C'est une surprise qu'on a bien voulu donc vous offrir. C'est un véritable cadeau. Cela fait plus de 20 ans qu'elle est présente sur la scène musicale à magnifier son créateur, à lui dire merci. On a bien voulu commencer donc ce rendez-vous de façon... assez extraordinaire, de façon belle avec elle. Public, on va... Voilà, on est déjà debout. Ceux qui sont assis, là, levez-vous. Ceux qui sont assis, là, levez-vous. Celui qui ne se lève pas, je le mets dehors. Voilà. Non, ce n'est pas vous. Vous devez la rester assis. On vous permet ça. On va donc faire un triomphe pour recevoir la chantre de l'Éternel. J'ai nommé la diva Constance. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Mais on se calme. Il y a des croyants ici. Alors, je dirais... Maman Constance, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, vraiment très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir au Burkina Faso? Ah, ça fait beaucoup de plaisir. Hein. Et puis, j'aime la jeunesse. Hein. Elle est pleine de joie, pleine de joie. Ah, mais oui, allez. Alors, je fais bien de dire Maman Constance parce que, comme je l'ai dit, ça fait plus de 20 ans. On a plus de 30 ans même, je dirais, de carrière musicale. Pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de Constance, il y a eu « Louer l'Éternel ». Oui. Est-ce qu'on peut avoir un air? Oui, avec plaisir. Oui. Louer l'Éternel, dis amis. Oh, l'Éternel est grand. Car sa vie durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louer l'Éternel, dis amis. Oh, l'Éternel est grand. Wow, la voix est toujours là. Alors, merci beaucoup les gars, merci. Vous êtes à Ouaga pour apporter votre soutien à votre sœur, oui, Elani oui, Kema, oui, Elani qui célèbre donc 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, c'est la fidélité, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Puis bon, c'est profitons aussi de ce... temps de célébration pour dire que Dieu t'aime aussi, ouais. Que Dieu veut être bon pour toi aussi, Dieu veut être fidèle. Ouais. Tu grouilles, Dieu veut te soutenir. Ouvre ton cœur à Jésus. Alors, un appel à lancer, un oui, message particulier. Un message, bien-aimé, tu es bien-aimé, nous t'attendons le 30. Ella est prête et nous sommes prêts avec elle. Le 30 octobre au palais... Des sports de Ouaga 2000. À partir de 16h30, déjà, viens t'asseoir, sois disposé, tu vas recevoir la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Voilà. Alors, quand on dit le 30 octobre, on a l'impression que c'est loin. Non, c'est demain. C'est demain dimanche. Voilà, j'ai entendu « et » là-bas, vous voyez un peu. C'est dimanche, donc toutes et tous sortons massivement pour aller donc célébrer cet anniversaire. Parce que 30 ans, c'est pas 30 jours.
Il y en a qui n'ont même pas... Lève ta main. Non, je m'étais à même Merci pas. Beaucoup à vous, merci en tout cas, pour cet honneur. Merci. Et puis, bon séjour. Merci. Et puis, bonne célébration merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. On va la raccompagner. Un applaudissement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, les gars. On peut s'asseoir, mais là. En tout cas... Il n'y avait pas meilleure manière de démarrer cette émission. Pas du tout. N'est-ce pas, Asmaou? Et puis j'ai vu des croyants ici. Ils sentaient avec le cœur. La chorale. La chorale sacrée que. Je te dis. De Kampala. Ah donc, il y a des gens de Kampala ici. Si, bien sûr. Quand on voit, en même temps, on sait. Alors, l'occasion également pour nous de présenter le public qui nous accompagne aujourd'hui. Nous avons d'une part les pensionnaires du Centre de formation universelle Gaston Football. Nous sommes également en compagnie du fan club de SAD Télécom. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est bon. C'est bon. La Chine. Ça marche. C'est fini. Et puis, nous avons. Je ne sais rien que tu. Nous avons aussi avec nous nos fidèles téléspectateurs. Merci en tout cas à vous d'être. C'est ça, je dis. C'est bien, tu cherches. Mention spéciale au fan club Tania. C'est devenu fan club Tania. Non, tu vois, ils les ont inspirés en même temps. Ils se sont levés les jeunes aussi en même temps. Yeah, Tania fait des... Ouais. En tout cas, il y a belle ambiance sur ce plateau. Et puis, ben, le courant, il est okay. Là. Ça sera chaud jusqu'à la fin de ce temps d'antenne. On va aller pour notre premier instant jeu avec, bien sûr, l'aide de la régie après ce jingle. Danser. Vous savez danser. D'accord. Ok. Nous, on ne cherche pas le meilleur danseur. On cherche le plus mauvais danseur. Ouais. Oui, et il sera premier. Je peux avoir le lot, s'il vous plaît, pour le plus mauvais danseur. Le plus mauvais danseur. Le plus mauvais danseur. Chaque team va représenter. Le gadget. Un représentant ici. Bien. Toi, tu vas représenter votre team, viens. Un représentant. Quelqu'un qui va vous représenter. On demande pas avis. Viens. Mets-toi au milieu. Donne-moi le gadget. Le représentant de chaque team. Alors. On va voir qui va gagner. Habituellement, quand les gens font les concours de danse, ils cherchent le meilleur danseur. Mais nous ici, on cherche le plus mauvais danseur. Celui qui ne sait pas danser. C'est ça, on veut. C'est ça, on recherche. Et nous, on appelle ça danser au hasard. C'est ça. Chez nous, c'est la tradition. On appelle ça danser au hasard. Frankie mettra donc la musique.
Et puis allez-y, lâchez-vous. Celui qui danse bien... On l'élimine en même temps. C'est bon? Il faut massacrer les danses là. Le principe, il est clair. Tout le monde a compris. Mon ami, pousse un peu là-bas. Va encore. Viens là, viens là. Voilà. C'est bon? Encouragez vos éléments! Les gars, ça fait 3, 2, 1, Francky, c'est quand tu veux. On danse pas bien, massacré même. On va voir qui part en finale. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? La finale! On se calme. Voici donc la finale du danser au hasard. À la recherche du plus mauvais danseur. Francky. Le plus mauvais danseur. C'est qui le plus mauvais danseur? Voilà. Alors, si c'est lui, je vais entendre des applaudissements. On dit applaudissements, quand tu tapes d'abord. Quand tu tapes. Si c'est lui, je vais entendre des applaudissements. Le problème là, ça vient de la team SAR Telecom.
comme le gars a été éliminé, ils veulent donc se venger de la team Tania. C'est la ligne, tiens. Alors, on se calme. Voilà. Merci beaucoup pour ces phases. On se calme, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ces phases que tu as sorties. Mais il faut reconnaître que le plus mauvais danseur, c'est l'enfant. Donc, remets-nous ça. Moi, j'ai envie qu'on y aille pour un autre jeu encore. Ouais. J'sais on va si enchaîner. Ça vous dit qu'on continue? On continue. Hein? On peut y aller? Allez, on y va pour donc un autre jeu. Après ce jingle, on se retrouve. C'est ton samedi spécial Showtime, voilà, et on va profiter à fond comme on a envie, c'est de la pure folie par ici donc dans la télé s'amuse sur BF1. D'ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue à vous qui nous rejoignez que maintenant, merci d'être des nôtres, et puis ne bougez surtout pas, ne zappez pas, car on a de très belles choses à vous offrir par ici donc dans cette aventure, et c'est pas mon public qui me dira le contraire, non. Il n'y a pas E à la. Faut venir. Il n'y a pas E à la ici. On va prendre E là-bas. Je cherche une autre de son modèle, skinny. Il y a une skinny derrière là-bas. Elle est là-bas. Qu'elle vienne. Yeah. Applaudissez-la, encouragez-la. Allez. Encouragez-la. Voilà. Ah. Voilà. Skinny, joli wow. Modèle. Voilà. Alors, fais le micro. Frankie, merci. Un jeu assez bonjour. Simple. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment on vous appelle? Tiens, Robéo Latifatou. Latifa vient d'où? Elle est de Tengango. Tengango, d'accord. Bonjour. Bonjour. C'est? Séré Adjara. Adjara Séré. Qui vient d'où? Pissi. Pissi, d'accord. Déjà, vous allez enlever vos chaussures. Allez-y, enlevez vos chaussures. Voilà. Merci de les applaudir. Hein. Voilà. Au fait. Je vais expliquer. On va permettre à une Apuchou d'expliquer le principe de ce jeu. Tu as dit quoi? Apuchou ne peut pas faire le jeu? Non, bien. Non, c'est pas possible. C'est le pas jeu, possible. Le jeu est très simple. À expliquer là, pour une Apuchou. Pour pratiquer, c'est parce que je suis en robe, sinon j'allais faire une démonstration tout de suite. Apuchou! Donc le jeu est très simple. Vous allez porter la culotte sans vos mains. Vous avez la possibilité de vous coucher, danser, sauter, crier, tout ce que vous voulez, mais sans les mains. Vous allez porter la culotte sans les mains. C'est assez facile pour les skinny, même si Apu, tu peux faire, c'est pas skinny qui peut pas faire ça. Et puis c'est pratique, vous voyez, non? Ça tire. Regardez, je vous explique. Habituellement, pour ce... Ça rentre. Habituellement, pour porter, on fait comme ça. Pour porter, n'est-ce pas? Mais nous, on veut pas ça. Vous allez c'est porter. Sans l'aide des mains, là, ça doit rentrer... Comme puis, ça. Voilà. Vous sautez, vous c'est, dansez. C'est une technique qui est montrée. OK? Voilà. Asma, faites les jeux de reins en même temps, on va ça voir. Ça fait donc 3, 2, 1, go! On les encourage, hein? On les encourage! Allez, on allez, encourage. Allez, allez! On peut
abandonné? Pourquoi tu as abandonné? Ça m'a dépassé. C'est facile. Hein? Ça m'a dépassé. Ça t'a dépassé? Ça t'a dépassé. Ah, d'accord. Tu faisais ça avant? Non, mais comme c'est la team Tania, on est toujours chaud chaud. Ah, ok, d'accord. Ça pas de souci. Alors, je fais quoi? Je lui donne les deux, c'est ça? Ouais. Ah, elle? Non, mais ici, on partage, hein? On partage. Allez, merci beaucoup, bravo. Merci, bravo. Bonne chance. Alors, de la part d'Olga. Oui, bien sûr. Vous voulez garder? J'ai assez de maillots comme ça. Hein? J'ai trop de maillots. Ah, vous avez trop de maillots? Mmh. Ah, d'accord. On va faire cadeau, mais comme vous voulez pas. On va récupérer. On va pas insister. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore. Un autre moment, petit bol d'air à présent dans cette aventure, c'est en musique que l'on va y aller. On va rester du côté donc de la terre des Burnies. On a loué Dieu avec Constance d'entrée de jeu. Avec lui, on est en mode Zouglou. Je sais pas si les gens connaissent le Zouglou ici. Voilà. Transfuge du groupe Zouglou Fashion. Désormais, il fait donc cavalier seul. Il a eu à faire pas mal de titres, parmi lesquels celui qui nous offrira aujourd'hui, entendant par là sorcier. Mais il a eu aussi à chanter pour que la paix puisse donc revenir ici au Faso. C'est un plaisir également pour nous de le recevoir. Public, on va se tenir debout pour faire du bruit et accueillir Coco Diamant. J'ai dit que depuis moi je danse à la télé, ça m'amuse, on m'a jamais donné un franc. Attends. Ma chérie, c'est moi qui t'ai appelé, non? Ah. Avant de venir ici, là, t'es passé où d'abord? Je te dis. Je dis, je l'invite de venir danser. Elle prend 10 000. Avant d'arriver à la télé, là, tu es passé où d'abord? Tu as passé où d'abord? Chez Tania. Tu as mangé quoi là-bas? Non, c'est un chien, je suis. Non. Non, mais je vais passer quelque part. On est ensemble, au plaisir. Alors, Coco Awaga, dans le cadre d'un festival. Ouais, Zouglou, c'est ça. Se passe à Tampuy. Ouais. Et comment ça se passe en ce moment au niveau de la carrière de Coco? Ouais, bien, par la grâce de Dieu. Après le Burkina, j'ai une tournée en France. Okay. Je suis venu vite faire, comme on a un album aussi à faire sortir, dans le mois de janvier. Je suis là pour le festival. Okay. Je suis pas seul, je suis avec aussi avec les aînés, les garagistes. Mm-hmm. Voilà, donc il faut dire que tout se passe bien. Moi, ce soir, je vais monter sur le podium pour donner de la chaleur au public burkinabé. En tout cas, de la chaleur, on va en avoir. Merci. On va en avoir. Merci. Venez, il va partager les 10 000, 10 000. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ma voisine. Elle a fait quoi? Abouchou. Yeah, attends, elle est découragée. Ça fait 30 ans, elle danse. Même Babouloukou, elle ne gagne pas. Ma chérie, je t'invite à venir danser. Tu prends le jet, toi seul. On se voit après. Moi, c'est le style qui me retient. Monsieur Bondébala. Oh. Monsieur Nouki. Oh. Mister Melo. On peut l'applaudir. Non. Moi, j'aime les garçons qui s'habillent trop bien. Donc, appréciez. Ah. Appréciez. Oh. C'est important. Bon, ça, c'est une création, une imagination de Mr. Melo. Okay. Voilà, c'est un truc simple. Hein. On a juste mis quelques accessoires dessus. Mm-hmm. Et puis voilà. Pour rendre ça difficile. Voilà. À la base, c'est simple. Ouais, c'est simple. Tu as mis des accessoires pour rendre voilà. ça difficile. Voilà. Ouais, c'est et lui, c'est magnifique. Ça merci beaucoup. La qualité, c'est Bon Débarras. Oui, Bon Débarras. Et le clip qui est sorti il y a un mois de celui-là. Donc, on est en phase promo. En phase promo? Ouais. On va y aller? Y a pas de souci. Public, la musique. Yeah. Voilà, en gros, c'est pour dire que voilà, quand vous êtes que ça ne va pas, il faut avoir le courage
de trouver des solutions ou d'accord. de se laisser dans la paix du Seigneur. Quoi. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Mr. Melo. Merci on peut beaucoup. L'applaudir. Merci, merci. On va te dire merci de passer. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Voilà. Un autre moment dans cette aventure, c'est celle où on profite de passer donc un certain nombre d'informations. C'est l'instant annonceur. On va y aller avec bien évidemment nos annonceurs là maintenant, après le jingle qui va suivre. On va parler donc d'entrée de jeu d'un événement, c'est un spectacle, hein, voilà, Star en Live Acte 20. C'est bien cela, M. Kambou. Oui, tout à fait. Bonjour à vous. Bonjour à vous également. Alors, Star en Live, ça se passe du côté du Cinéaza. Oui, tout à fait. Star en Live, c'est un spectacle entièrement live et un spectacle télévisuel. Et nous sommes à l'acte 20. Et pour cet acte 20, c'est une édition spéciale dédiée à la cohésion sociale. Voilà, et pour dire donc, nous avons voulu regrouper un certain nombre d'artistes issus de différentes communautés religieuses, okay. dont des musulmans, des courants musulmans, okay. des catholiques, des évangéliques et des traditionnels, d'accord. pour passer un message fort à toute la population, la cohésion sociale. D'accord. Dans toutes les localités de Burkina, vivant ensemble et faisant avancer le pays dans la paix. Voilà donc c'est clair. Message aussi simple, mais aussi clair. Alors le rendez-vous, c'est pour quand? C'est pour ce soir. Au Cinéaza à partir de 20h. D'accord. Ce soir au Cinéaza à partir de 20h. Prix d'entrée? Prix d'entrée, 1000 francs et 2000 francs seulement. Quelles sont les têtes d'affiche? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Nous avons la chorale, nous avons la chorale du temple évangélique AD La Bonne Nouvelle. D'accord. Nous avons la cellule culturelle islamique de Watinoma. D'accord. Et nous aurons également le trésor humain vivant Konamba Traoré. Et nous aurons également la chorale catholique Saint-François d'Assise du Scolastica. D'accord. Et ils sont là ce soir, naturellement, pour lancer une invite donc à toute la population. On va permettre donc à papa de pouvoir lancer une invite à la population à sortir donc pour ce soir. C'est très bien que la population sorte ce soir, parce que la cohésion sociale, c'est quelque chose dont on a besoin. D'accord. On ne peut pas vivre en communauté sans la cohésion sociale. D'accord. Et la cohésion sociale, ça exige qu'on s'aime d'abord entre nous. Mm-hmm. Pas de discrimination, pas de stigmatisation. D'accord. Voilà. Donc, catholiques comme musulmans, comme nous les traditionalistes, nous devons vivre en paix ensemble. Et comme on le dit, c'est main de la main qu'on pourra donc relever les défis qui se présentent à nous. Un dernier mot, on va vous permettre donc de dire un mot quand même, au nom de toutes les femmes. Oui. Nous invitons toutes les femmes à sortir massivement. D'accord. Pour suivre le spectacle. Ok. On rappelle les prix d'entrée, M. Kambou. Voilà, prix d'entrée, 1000 francs et 2000 francs seulement. D'accord, on voilà, rappelle pour que c'est ce spectacle soir, riche en son et en lumière. Ce soir à partir de 20h du côté au Cinéaza pour voilà, Star donc, Live Acte 20. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore le ticket ou qui voudraient également avoir des informations, ils peuvent le faire. Mm-hmm, en vous appelant. Voilà, au 70 72 67 88 ou au 78 21 37 56. Ça marche, merci beaucoup à vous, bon spectacle et puis rendez-vous ce soir du côté donc du Cinéaza. Voilà. On va rester donc dans cette même ambiance pour parler toujours d'événements avec notamment la team SAD Télécom. On parle d'un spectacle. On va rester là-bas. Allez, allez, on reste là-bas. Il y a un micro, voilà, on va le prendre. SAD est là, je l'ai vu quelque part. On peut l'applaudir. SAD, tu peux venir s'il te plaît. Voilà, rapidement. Allez, vas-y. Ça marche. Alors, qui pour annoncer l'événement? C'est lui-même. C'est lui-même. Le président ne parle pas. Hein? D'accord. Le président ne parle pas. Alors donc dis-nous tout, c'est pour quand? C'est pour le 4 novembre au Cinéaza. D'accord. À partir de 20h. Mm-hmm. Et les prix sont à 10 000 et 5 000 francs. D'accord. Voilà. C'est quoi? C'est un spectacle, un one-man show. Ok. Voilà, pré-campagne. C'est le président qui est là, le président du PPPPP. Ok. Le parti pour la promotion du partage du pain pour la paix dans le pays. Yes. D'accord. Un appel à lancer, un message. On invite tout le monde à sortir massivement ce 4 novembre du côté de Sanara pour soutenir le président qui est là. Il va dire un mot. Un mot, juste un mot. Bonjour, mesdames, mesdames. Ça
c'est bon, après je ne dis pas tout. On va laisser, la surprise elle est grande. Okay. Parce que c'est un spectacle vraiment de taille qu'on est en train de préparer. Ça pour marche. Le One Man Show du Star Telecom. Merci beaucoup à Star Telecom, voilà. Alors, j'ai un micro là-bas, je peux l'avoir s'il vous plaît. Les gens sont graves. Allez, elle est avec nous également, c'est Hulda. Hulda, bonjour. Bonjour. Là, tu accompagnes nos amis. Exactement. De Universal Gaston Football Center. Exactement, je suis leur marraine. Ah ouais? D'accord. Ok. Et donc. Merci les gars. C'est un centre de formation de football. Exactement. Basé où? À l'hippodrome de Nancy. D'accord, ça marche. Pourquoi avoir décidé d'être la marraine? Alors, il faut souligner que le président, M. Gaston Kéré, voilà, c'est un grand frère okay. qui me soutient beaucoup. Voilà, on a beaucoup de projets ensemble. D'accord. Voilà. Donc, il fallait lui rendre l'appareil. Enfin, pas lui rendre l'appareil. C'est un plaisir pour moi d'être leur ambassadrice. Ok, voilà qui est assez clair en tout cas. Exactement. Voilà, on va passer le micro donc à notre ami qui est là. Comment tu t'appelles? Traoré Kamal. Traoré Kamal. Oui. D'accord. Tu joues à quel poste? Je joue le poste d'ailier. Ailier. Oui. C'est qui ton joueur favori préféré? Mon joueur favori préféré, c'est Vinicius Junior. Vinicius Junior. D'accord. Support. D'accord. Alors. Quelles sont les catégories qu'on a dans votre centre de formation? On est cadet. Cadet? Il y a le cadet. Ok. Il y a junior. Junior, ok. Il y a minime aussi. Minime, d'accord. Toi, tu es dans quelle catégorie? Cadet. Cadet, d'accord. Vous avez un message particulier ou bien? Bon, dans le micro. Mm-hmm. Notre message particulier qu'on a pour le peuple, c'est de nous soutenir jusqu'au bout. D'accord. Pour qu'on soit fier au pays. Ça marche. Voilà donc qui est assez clair. Merci beaucoup, les gars. Enfin, la Chine populaire, c'est la team Tania, n'est-ce pas? On a une surprise pour vous. Voici Miss Tania qui nous rejoint maintenant. C'est bon. Mon ami, toi, tu es venu avec qui? C'est le bon voisinage. Ça marche. Alors, The Dream, c'est le concept. Ouais. Tania, on est à quelques semaines. Oui. Déjà, comment on se sent? Très bien. Quand je vois la team qui est là, d'accord. qui ouais. me soutient toujours, donc ça me donne de la force. Ça marche. On est là pour lancer un appel. Oui. On est là pour lancer un appel. Oui, à toute la population burkinabé, à tous les Ouagalais, pour le grand concert qui va se tenir au stade municipal de Ouagadougou. Mm-hmm. Le 12 novembre à partir de 18h. Les portes seront ouvertes à partir de 14h. Donc sortez massivement. On va écrire ensemble l'histoire de la musique burkinabé au-delà des frontières. Alors, merci les gars, merci. Pour les tickets, comment est-ce qu'on fait? Pour les tickets, c'est disponible à la porte 11 du stade municipal. D'accord. On peut aussi contacter le 02 05 53 53. D'accord. On rappelle les prix d'entrée? Les prix d'entrée, 2000 francs et... 5000. Voilà, qui est donc assez clair. Et puis, en ce qui concerne Tania, demain dimanche, c'est ça? Oui. Il y a la sortie donc du nouveau clip. Du nouveau clip. Copa Family. Donc, restez connectés. Ça marche. On va partager le lien. On fait des challenges pour promouvoir la chanson avant le 12 novembre. Merci beaucoup, Tania. Merci. Puis, à merci. Bientôt. Merci. Merci beaucoup. Viens. Tu vas reprendre le refrain là seul. Faut que tu reprennes le refrain là seul, on va voir quelque chose. En fait, je vous explique. C'est pas l'émotion. C'est comme les gens qui vont en boîte de nuit, quand le DJ met la musique. En anglais, tu le vois. Quand on coupe,
tu te rends compte qu'en fait, les paroles n'ont rien à voir. Mais ça va aller. D'accord ? Merci de vous applaudir, public. À la suite donc de nos annonceurs, nous allons partir encore en musique avec un duo. Ils viennent donc de nous sortir un single. C'est tout chaud, c'est assez hot. Ça bouge en ce moment pour eux. Public, est-ce qu'on peut se tenir debout pour recevoir ici Nicky G et Patrick Gagnon? Ouais. On se voit plus. T'as tué. Merci. Non, présentez ce que vous avez reçu. Oui. Pendant que... C'est une pièce en or. Ou bien 25 francs CFA. Ouais. C'est le geste qui compte, hein. Voilà, tout simplement. Royal C, c'est le titre donc de ce single. La première question que moi j'ai, qui allait vers qui déjà pour la collaboration? Moi je suis allée vers lui. Pourquoi le choix donc de Patrick Gagnon? Oh, parce que c'est le producteur. Ah. C'était la condition. C'était la condition. Non, c'était pas la Pourquoi condition. C'est qui pose dessus? Bon, c'est moi-même j'ai demandé D'accord. qu'on fasse le duo. D'accord. Un blanc qui parle moré. Bon. Ça attire. C'est une stratégie aussi pour. D'accord. Ah, okay. Ça marche. Voilà qui est assez clair. Moi, j'aimerais qu'il essaie de refaire sa partie là, en fait, tout de suite et maintenant. On va faire ça une autre fois ensemble. Alors, c'est un single qui annonce un album ou bien juste pour... Bon, on va aller étape par étape, on single tâter par le terrain. Single. On tâte le terrain déjà. Oui. D'accord. Alors, pour les gombos, pour les spectacles, comment on fait pour vous avoir? Bon, pour les spectacles, en fait, on a le manager qui est Marco Faso, okay. que je ne connais pas son numéro par cœur, donc je vais donner un autre numéro. D'accord. Qui est le 65 61 45, 92. D'accord. Et puis bon, Miss Tania était là, peut-être qu'elle va nous inviter le 12 novembre, on ne sait pas. Ça marche, ouais. Merci donc. Merci à vous. Et puis merci ben, plein succès, bon vent à vous. Merci on beaucoup. Peut les raccompagner, merci. Voilà. On a dansé, on a dépensé beaucoup d'énergie. On peut se rasseoir les gars, voilà. Alors nous on est bien. Nous là, on est bien ici. On pense à vous. On est trop bien. D'accord. On va manger maintenant. On peut manger? C'est l'heure de manger. On peut manger? Oui. Allez, on va manger maintenant dans cette aventure, mais ça sera après le jingle. Alors, ben voilà. Ce qu'on va faire, on va choisir vous êtes venu avec qui? Seul? Il n'y a pas une amie avec vous ici? T'as pas une CP à côté? C'est votre CP? C'est la CP? Venez okay, vous deux. Venez, les deux CP. Venez vous deux. venez rapidement. Maestro. Voilà. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Merci Francky. Voilà, c'est simple. Hein. Nous, on aime les CP. C'est simple. Très simple. On a donc des sandwichs ici. On va vous dire, il y a quoi dedans? Ne vous inquiétez pas. On a un sandwich avec de la confiture. Ouais. Dedans. On a un sandwich avec de la pâte dentifrice dedans. On a un sandwich avec du jus de citron et des tranches citron. De citron là-dedans. On a un sandwich avec de l'oignon et de la moutarde. D'accord? Chacune d'entre vous va choisir pour sa camarade. Tu choisis de donner à ta CP. Tu choisis, tu lui donnes. Mais avant de bouger d'ici, vous mordez là-dedans. D'accord? Ce que tu vas choisir pour elle, là, elle est dans l'obligation en fait, de mordre. Et même chose. En fait. Allez, choisis un pour elle.
Donne-lui. On lui donne. Pas ouvrir. On va montrer à la caméra. Faut montrer à la caméra. Voilà. C'est le sandwich au citron fait maison. Merci de mordre dedans. Oh! Non, non, regardez. Un verre d'eau, un verre d'eau, un verre d'eau, un verre. C'est bon? Alors. À ton tour, vas-y, prends un pour elle. Prends un pour elle, rapidement. On peut l'ouvrir? Waouh! La confiture! Ben, faut mordre dedans aussi. Ça va? C'est bon? C'est bon? Merci d'avoir gagné vos places, voilà. Allez, avec le pain, c'est pour vous. Compris comment ça se passe. Prends un pour lui. Donne-lui. Pas ouvrir. Pas ouvrir. C'est quoi? C'est quoi? La pâte dentifrice. Tu t'es brossé les dents le matin? Voilà, allez. Faut croquer les dents. Voilà. Choisis un pour lui. Prends. Pas ouvrir. Ouvre vite. Il y a quoi dedans? Moutarde avec oignon. Il y a moutarde avec oignon. Dedans. Il faut mordre dedans. Ah, oh. C'est doux. Oui. C'est doux. Oui. Hein? Oui. Merci, allez-y. Bien, oui. Tu es venu avec qui? Bien, venez vous deux. Venez rapidement. On les applaudit, s'il vous plaît. Non, non, retenez-vous deux, je ne veux pas. Bien. Vous avez pâté. Bien. Vous êtes ensemble. Allez. On n'explique plus rien, allez-y. C'est simple. Vas-y, donne-lui. Prends. Faut ouvrir. Ouvre rapidement. On a quoi dedans? Du citron. Du citron. Allez, pas mode. Il pas mode. Mon ami, mord bien dedans. Tu prends où il y a. Voilà, vas-y. Oui. Vas-y. Voilà. Prends pour lui. Faut ouvrir. Laisse ça là. Faut ouvrir. Ouvre. J'ai ouvert pour toi. Hein. Monte là-bas. Qu'est-ce que tu as? Non. Pardon? Pâte dentifrice. Vas-y, mords dedans. Faut mordre, vite. Merci. On peut l'applaudir encore. Je veux deux ici. Deux. Venez. Non, allez-y, venez vous deux, rapidement, on les applaudit. Venez vite, une là. Alors, je vais vous aider. Il y a un où c'est confiture, l'autre là, c'est moutarde avec oignon. Choisis pour elle. Tiens. Toi aussi, tu étais pas ouvrir. Tu lui as donné confiture là. Qu'est-ce que tu as? Confiture. Ça peut aller? Ça peut aller? D'accord, faut mordre dedans. Non, c'est confiture, ne t'inquiète pas, c'est tout. C'est bon, c'est doux? C'est bon? Donne-lui ça. Donne-lui. Faut lui donner. Allez, ouvrez. Et c'est moutarde avec de l'oignon. Voilà. Moutarde avec de l'oignon. Mais c'est doux. C'est moutarde avec de l'oignon. Oui, viens rapidement. On va aller vite. Alors, c'est ce qu'on appelle les cadeaux surprises. D'accord? C'est les cadeaux surprises.
Il y a des bouts de papier à l'intérieur de chaque ballon sur lesquels des choses sont inscrites. Exactement. Chacun m'a choisi un ballon, l'un après l'autre. Ok? Ce que tu vois dedans là? C'est pour toi. C'est pour toi. En même temps. D'accord? On commence par toi. Vas-y. Tu choisis ton ballon. Choisis ton ballon. Laisse celle-là. Choisis ton ballon. Oui, choisis. Il a compris. Choisis ton ballon. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est où? C'est où? C'est tombé là. Ok. Viens. Il faut déplier à ce Mao. Il faut te calmer. Qu'est-ce qu'on lui fait? Maquillage! Francky, tiens mon ami, vas-y, prends, pique là un, on se calme, on se calme, voilà, voici ton papier, vas-y, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Masque. Le masque pour lui. Le masque. Tiens, enlève. Ah, cher ami, c'est quoi? Tu me regardes en direct. Vas-y. Il n'y a pas protocole, vas-y. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lui fera, ce monsieur? Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Poudre! On va débarrasser, voici donc le jingle qui vient avec et on se retrouve pour la suite de cette aventure. Allez, à tout à l'heure. Mascotte. Eva, tu peux me prendre ma première mascotte, s'il te plaît? Un zoom sur ma mascotte, la première mascotte. Aïlé, papa n'en poudre. Voilà, vas-y. Voilà. Fais un sourire à la caméra. Voilà, fais coucou. Ça marche. Bon, allez, ça, c'est pas Aïlé. Hein. Là, c'est le capitaine qui est venu donc au bal masqué, capitaine de UGFC, voilà. Et puis on a notre mascotte. Chérie Coco. Coco. Ça marche, allez. Toi, tu es mon gars.
autre escale, c'est en musique qu'on va le faire. Voilà, belle ambiance en tout cas sur ce plateau. On va vous en mettre encore plein les oreilles et plein la vue. Pour vous qui nous suivez donc depuis vos salons, vos bureaux, peu importe l'endroit où vous nous suivez, en tout cas, merci déjà pour votre constante fidélité. On va donc lancer un kiaï à l'endroit de tous les bébés. C'est comme ça qu'on le dit. Public, merci de faire un triomphe pour recevoir Fouche Alpha. Fouche Alpha. Les bébés, là, ils t'ont fait quoi? Non, c'est une prière pour les bébés. Mm-hmm. C'est un message prière. Fort. C'est pour leur demander vraiment. Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à avoir longue vie. Ok, pour que. Parce que quand Dieu va réaliser, il faut qu'on ait des gens pour constater. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Alors, Fouche, dis-nous, c'est quoi en ce moment? Oui. On te voit plus trop, tu te caches, tu es dans le coin sacré. Il y a la lune de miel. Hey, ça va durer combien de temps? Eh mon cher, ça finit pas. Non, la lune de miel est terminée. C'est terminé quand? Actuellement, je suis caché c'est en studio. C'est terminé quand? Et il y a deux jours comme ça. Je t'ai dit non. Il y a deux jours comme ça. Alors dis-nous, tu peux pas quelque chose en ce moment? Ouais, je suis en studio présentement. Je veux boucler mon album. Et avec une équipe formidable qui travaille avec moi, je veux donner du bon. Je veux donner du vrai à mes fans. Donc, désolé déjà si vous trouvez que je suis caché. Mais pour. Mais est-ce que tu es vraiment caché? Parce qu'on te voit de l'autre côté. Hein. Là-bas, t'es pas caché. TikTok. Hein? Non. Là-bas, t'es pas caché. Bon, c'est vous qui voyez. Non, je suis pas caché, mais bon, c'est musicalement, je veux dire, là-bas, on s'amuse, mais artistiquement, je veux vraiment faire du balèze pour mes fans parce d'accord. que maintenant, la musique, c'est devenu calcio. Où sont les joueurs? Alors, on va donc te permettre de pouvoir communiquer un numéro pour ceux qui aimeraient t'avoir pour des spectacles et autres gombos. D'accord, c'est le 78 07 88 74. C'est le numéro du manager. Oui, c'est le voilà, numéro. Voilà, donc c'est pour les goûts là. Bon, hein? C'est pas son numéro. D'ailleurs, même, si les goûts là me l'appellent, ça peut pas. Ou bien, si les goûts là. Ouais, c'est professionnel. Voilà, non, mais hein, si les goûts là. Non, si elles appellent, non, c'est pour prester. C'est pour prester. Voilà. Ouais. Le go, si mais et du numéro qui est... Quel numéro? Ah, d'accord. Mais quel numéro? Pour Fouche Alpha. Il y a un qui dit on se connaît. Vous vous connaissez où? C'est qui a dit on se connaît? Parle le micro pour lui. Parle le micro pour lui. Il y a quelqu'un qui a dit ici on se connaît. Tiens. Il y a quelqu'un qui a dit ça à Fouche. C'est ici. Elle dit après ça. Ça marche. En tout cas, je pense qu'on a, on est quasiment à la fin de ce temps d'antenne. On aurait bien aimé qu'il soit prolongé. Ouais. Hein, on aurait bien aimé jouer les prolongations. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h. Bon, ma amie, tout à l'heure, à 13h, il y a le journal. Donc, tu vois qu'on n'a pas fait le bruit pour les déranger. C'est bizarre. Mais pour toi seulement, on va faire un truc spécial jusqu'à 16h. T'as compris? Voilà, c'est les gens des Carpas là-haut. Ils n'ont pas l'habitude de sortir. Donc, quand ils sortent comme ça, là, ils profitent tout simplement, ils se lâchent. Voilà. Surtout que là-bas, il y a alors, on rappelle donc tout simplement que nous étions avec nos amis de UGFC. Voilà, merci de vous applaudir encore. Et évidemment, avec le fan club SA Télécom. D'ailleurs, SA Télécom. SA Télécom sera donc un one-man show le 4 novembre prochain du côté donc du Senasa. Et puis, bon avant la Chine, vous l'attendez parce que vous là, si on parle, c'est vous, on peut l'attendre. Le 4 également, il y a la Nuit des Stars avec bien évidemment Maestro, le faiseur des stars. Voilà, c'est cette nuit-là qu'il a initié pour couronner stars. Voilà, ces stars-là et puis donc les honorer. Et puis l'autre rendez-vous, ça sera pour le 12 novembre du côté donc, du stade municipal. Voilà. C'est bon. Attendez d'abord. Voilà. C'est sur cette note-là qu'on va vous dire au revoir. Asmao,
Asmao, vas-y. Je dis, avec Saladin, on pas oublié, conseil de Tania. Voilà, donc, ce fut un réel plaisir pour nous, Francky. Moment de plaisir, moment de partage. Je souligne toujours que je suis habillée par Ardies Ronde. Donc, pour toutes les Je dis merci à tout le monde. Les gars, s'il vous plaît, merci. Je vais souhaiter un bon week-end à tous et puis je donne rendez-vous à tout le monde du côté du festival de Tanguin, sur le terrain Naba de Tanguin, ce soir. Ça marche, donc voilà qui est assez clair. Asmao, je prends le micro s'il te plaît. Bien sûr. Voilà, c'est donc de façon exceptionnelle qu'on va se dire au revoir sur cette bonne note musicale. On est dans le bruit, donc voilà, allons seulement, n'est-ce pas? Allez, merci encore à toutes et à tous avec... Princesse Hulda, et comment se dire au revoir, et puis ben, on vous souhaite un très bon week-end, surtout, il faut faire beaucoup attention. C'est vrai que c'est un long week-end, mais allons-y mollo mollo. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Voilà, au revoir. Courage, Dégobert Sang.